Yo tout le monde, c'est Genio et on se retrouve pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur My Time at Portia. On se retrouve en plein hiver, il neige et ça tombe bien puisque je vous retrouve aujourd'hui, il y a un événement du coup dans le calendrier. J'ai eu le petit rappel ce matin, il y a la bataille de boules de neige. Alors je vous avoue que j'avais pas spécialement fait gaffe et d'ailleurs j'ai passé une journée en off mais j'ai même pas fait gaffe que c'était l'anniversaire de Petra, donc bon bah tant pis, je l'ai loupé. Donc voilà, il y a un événement aujourd'hui et demain aussi, les deux jours du coup, donc on va essayer d'y participer parce que la dernière fois je crois qu'on avait un petit peu raté cet événement là, en tout cas on était arrivé vers la fin de l'événement, donc je vais juste ramasser un petit peu mes trucs. Hop, enfin, on va essayer de faire rapidement quand même. Ah, mais non, mais j'arrête pas de caresser la poule. Arrête, arrête la poule, elle me gêne. Elle me gêne, elle veut pas que j'aille à la bataille de neige. Bon, après, il y a demain encore, hein, mais... Hop, on va essayer d'y participer un petit peu mieux que la dernière fois. Voilà, parfait. Allez, je prends mon cheval, let's go. Ah, si j'arrive à monter dessus, oui, voilà, parfait. Alors, et du coup, où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont? Ah, voilà, ils sont tous par là-bas, très bien. Et bah, du coup, c'est juste derrière chez moi, donc c'est parfait. On va y aller, hop, on va passer à travers les arbres, à travers les forêts. Voilà, tout le monde est là, tous nos petits amis sont là, très bien. Ah, j'ai quelque chose à faire avec le docteur Xu, très bien. Est-ce que tu... Tout le monde est en bonne santé en ce moment. La clinique est plutôt tranquille. Tu as beaucoup de travail à l'atelier, non? Tu nous aides depuis un moment. Est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider? Tu veux discuter de ton travail? Je t'écoute. Dur de couper des arbres. Dur de miner. C'est bon, tout va bien. Je sais pas, je veux dire dur de miner. N'est-ce pas, hein? Je comprends. D'accord, okay, très bien. Alors du coup, je me rappelle plus comment on s'inscrit. Interagir. Où est-ce qu'on s'inscrit? Ah, c'est Django qui joue, c'est ça? Comment je m'inscris? À qui je m'inscris? Ici? Attends. Je sais plus comment on joue. Je sais plus comment on joue, comment on s'inscrit. Attendez, je veux pas louper l'événement quand même. Y a pas un endroit où on s'inscrit? Albert. Ok. Attends, je vais parler à Gail. Hey! C'est le moment de profiter des vents hivernaux. Ouais, mais comment je m'inscris? Où est-ce que je joue, moi? Moi aussi, je veux jouer. Moi aussi, je veux jouer. Interagir. Mais je crois que c'était là, en plus, qu'il fallait venir. Hop. Salut. N'oublie pas de discuter d'une soupe bien chaude. Bah tiens, donne-moi une recette tant qu'on est là. Hop. Papa et bambou. Ok. Ah, bon, parfait. Une soupe de poisson bulle. Est-ce qu'il faut que je me cache? Ah, tu m'auras pas. Non, ça marche pas. Ça marche pas. À récolter, oui, mais non. Ah, peut-être là. Non. Ah si, ici. Bataille, voilà. J'ai dit bien qu'il fallait se mettre sur une... Comment dire? Oh, le docteur Xu. Parfait. Tiens, Polly, Antoine. Ah, mince, je l'ai loupé. Lucie, là-bas. Ok, c'est bon. Antoine, hop. Oh, Albert, là-bas, au fond. Très bien. Là-bas, Django. Ok, parfait. Mei. Allez. Très bien. Oh là, lui, il va être dur à voir, il est tout petit. Ok, Dr. Xu, là-bas. Très bien. Ah, il y a quelqu'un qui va se lever. Je sens. Poli, là. Ah, je l'ai pas eu. Ok, Antoine. Bim. Oh, là-bas, Albert. Ok. Eh, hey, je fais mieux que la dernière fois, hein. Je crois qu'on avait un peu galéré la dernière fois. Hop. Oh non, mince. Ok, Mei, Django, toi, ok, allez, montrez-vous, hop. Oh mais lui, il se cache carrément vite, Polly, là. Hop, tiens, dans ta tête, Antoine, parfait, Albert, Polly, ah non mais Polly, excuse-moi, mais... Polly, là, je vais te toucher la main, là. Non, ça marche pas. Ok, j'essaye de passer, Mei, ah non mais Polly, si tu veux. Non mais attends, ils me font quoi, là? Non mais arrêtez, hop. Ouais, il se moque de moi, là. Ah oui, c'est vrai qu'en plus, on gagne de l'amitié. Ah oui, mais c'est trop bien, ces trucs-là. Ah ouais, je vais en refaire plein. Je me rappelais plus qu'on gagnait de l'amitié avec ça. Mais c'est génial. Oh, Toby. Je sais plus comment elle s'appelle. Martha, je crois. Hop, tac, Toddy. Petra. Ah, mince. J'ai loupé Petra, ok.
Ok, allez, allez, montrez-vous là. Oh, il y a Alice aussi, j'avais pas vu. Hop, hop, voilà, parfait. Ok, oh, j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le temps. Où est-ce qu'ils sont ? Antoine, là, je vois ses cheveux. Oh oui, ça compte ! Oh, très bien. Ah, mais en fait, Polly, tout à l'heure, j'aurais pu l'avoir, en fait. J'aurais pu l'avoir tout à l'heure. Hop, tiens. Oh, il s'est caché, il s'est caché. Oh, il s'est caché. Oh, il s'est caché, là-bas. Hop. Ok. J'ai un nombre de boules de neige. Ah oui, j'ai un nombre de boules de neige limité, donc faut pas trop que je fasse n'importe quoi. Hop, parfait. Tiens, toi. Toi aussi, parfait. Ah, Petra, je t'ai vu, mais à la fin. Je t'ai vu à la fin, il me reste 5 boules de neige. Allez, montrez-vous, là. Vous êtes où? Vous êtes où? Oh là, elle est loin, elle est loin. Elle est loin, elle est loin. Alice. Hop, toi. Toddy. Ok, toi là-bas. Oh, parfait. Ouais, du plus 4, plus 5, là. Ça, c'est cool, ça, c'est cool, ça, c'est cool. Est-ce que ça compte vraiment en fonction du nombre de fois que je les ai touchés? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Allez, allez. Ah, il y a encore du Antoine là-bas. Ah, Remington. Ok, Django, par là. Hop, Toddy. Lui, je sais plus comment il s'appelle parce qu'il y en a tellement. Il y en a tellement des frères comme lui, là. Ok. Ah, lui, c'est le fermier. Ah, puis Hawk aussi. Oh, genre, je l'ai pas eu, là. Genre, je l'ai pas eu. Ok, par contre, ils se sont tous cachés, là. Je les ai vus. Ouah, ça, ça va être chaud à voir, là-bas. Hop. Oh, je l'ai eu. Je l'ai eu, je l'ai eu. Parfait. Oh, vas-y, vas-y. Hop, Tully. Oh, là-bas, il y a quelqu'un, là. Ouais, j'allais dire, il y a Remington. Il y a Remington, j'ai vu une petite mèche verte. Tiens. Ah, j'ai essayé de voir si on pouvait tirer deux fois. Après, ouais, on peut pas tirer deux fois. Ok. Je sais pas si je vais l'avoir, mais j'ai tiré. Ok. Hop. May. Tiens. Toi aussi. Parfait. Oh, ça va, hein. Ça va, ça va. Toddy. Ok, ok. Oh, j'ai vu un petit Remington, là, par là. Oh non. Mince. J'ai cru. J'ai cru, j'ai cru. Ah, mais si, mais il est là. Oh non. Ok. Oh oui, je l'ai eu. Parfait. Il était bien caché. J'ai juste vu sa petite mèche verte dépasser, là. Parfait. Bataille de neige terminée. Bah, parfait. On a eu le temps de faire trois parties. Bon, je saurais que c'est ce rocher-là et pas l'autre, du coup, qu'il faut interagir. Mais bon, en tout cas, bah voilà, on a bien réussi ce petit événement. Alors, du coup, nous, on va quand même essayer d'avancer un peu dans nos quêtes. J'avais lancé, du coup, pas mal de petites choses la dernière fois. Donc, tout s'est terminé. J'ai juste dû, en off, aller racheter du coton parce qu'en fait... Mais mince, je me trompe de menu. Voilà, c'est celui-là. Parce que j'avais lancé des étoffes, mais du coup, bah, ça m'a pris des cotons que j'avais achetés pour les piliers en bois. Donc j'ai dû aller racheter un petit peu de coton, mais ce n'est pas très grave. Donc normalement, les étoffes, j'ai tout ce qu'il me faut. Les piliers, faut que je récupère. Normalement, j'ai tout ce qu'il me faut, là. Non, je voulais pas renommer le coffre, en fait. Je voulais même pas du tout accéder au coffre. Je voulais accéder à ce coffre-ci. Alors, il me faut des piliers. Normalement, j'ai dû en laisser dans le coffre, je crois. Voilà, parfait. J'ai dû laisser... En fait, on va trier, parce que j'ai déposé plein de trucs. J'ai déposé plein de trucs. Ça, je crois que j'en ai besoin. Et je crois que j'ai besoin de ça aussi. Voilà. Ok, parfait, j'ai tout. J'ai tout ce qu'il me faut sur moi. Très bien. Donc, du coup, je vais peut-être aller rendre vite fait la quête à... Qui c'est qui voulait des étoffes? C'était Martha, je crois. Où est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle est là? Non, elle est pas là. Elle est pas encore revenue. Elle est pas encore revenue. Je crois que c'est elle, hein. Hop. Non, c'est pas elle. C'est pas Martha, c'est Carole. Carole. Elle est là. Elle est là, elle est là. Hop. Salut. Non, c'est pas elle qui voulait? Ah mince. Attends. Qui c'est qui voulait? Qui c'est qui voulait, là, la quête? Commande de la guide. Bah oui, c'était Carole. Pourquoi je peux pas? Bon, mais... Oh, j'ai déposé toutes les trucs, mince. C'était bien elle, mais j'ai déposé les étoffes. Comme un idiot. Pourtant, j'étais persuadé d'avoir vu que j'avais 4 sur 4, mais ok, j'ai peut-être mal vu, on va dire ça comme ça. Mais j'étais persuadé que je les avais prises, les étoffes. Ok, les étoffes. Ah bah oui. Et en plus, oui, j'avais vu que j'en avais relancé à craft, sauf qu'en fait, j'en avais déjà en stock chez moi. Mais bon, c'est pas grave. Alors, voilà, et là, du coup, je vois bien son point d'exclamation, qui est... Ah, elle a fait le tour dans l'autre sens. Forcément. Voilà, parfait. Et terminé. Très bien, voilà. Alors, du coup, tiens, Lucie, je crois que j'ai des cadeaux aussi pour toi. Tant que je suis là, je vais essayer de parler aux gens un petit peu. Voilà, il fait froid. Bah oui, tu m'étonnes avec la bataille de boules de neige. Je crois que t'aimes bien ça, toi. Ouais, plus 20. Parfait.
Mint, toi aussi, je crois qu'Alice, tu aimes bien les petits colis en cristal. Donc, je vais te redonner ça aussi. Voilà, plus 20 aussi. Ah, mais oui, c'est vrai que du coup, faut profiter les jours de fête. Ils aiment les cadeaux, je crois que c'est doublé, un truc comme ça. Je crois que c'est ça. Ah oui, c'est vrai. Je suis bête, j'aurais dû en profiter plus. Lee, je crois que j'ai rien pour toi, je suis désolé. Ah, j'avais pas tilté. Ah ouais, en fait, faut que je prenne des cadeaux pour demain. Faut que je prenne des cadeaux. Ginger, bah oui, j'ai pas de cadeaux pour toi non plus. Ok. Bon, non, en fait, je pense que c'est bon. On a des cadeaux, mais faut juste que je pense à les donner, en fait. Il faut que je pense à les donner demain, à l'événement. Hop. On va essayer de sprinter, en fait, de pas perdre de temps le matin, comme ça. On va direct aller là-bas. Hop, quitte à laisser un peu mes chevaux, etc. de côté, là. Mais on va essayer de faire l'événement. Voilà, parfait. Une heure avant. Vite. Allez, let's go. On va essayer d'en donner un peu à tout le monde, là, les cadeaux. Et je vais regarder vite fait si j'ai pas d'autres cadeaux que je pourrais prendre. Hop, ici. Non, je voulais pas renommer le coffre. Je voulais juste regarder. Généralement, c'est dans nourriture où potentiellement je peux avoir des trucs. Alors, j'ai peut-être des trucs, mais je sais pas à qui les donner. C'est ça qui va être un peu gênant. Ça, oui, je sais à qui le donner, ça. Ça aussi. Mais ça, j'en ai pas besoin parce qu'en gros, ça, je suis déjà ami. C'est pour Gust, ça. Très bien. Bon, après, il y a peut-être d'autres trucs, hein, mais je ne sais pas à qui les donner. Ouais, je ne sais pas à qui les donner, donc c'est pas grave. Hop, je vais juste prendre ça et je prends mon cheval. Let's go! Et du coup, on va directement aux boules de neige. Est-ce que c'est déjà prêt? Est-ce qu'il y a déjà tout le monde? Oui, il y a déjà pas mal de monde en tout cas qui arrive. Très bien. Arlo, je te chope au passage. Mince, j'ai pas réussi à le choper au passage. Pourquoi? Hop, salut! Hop, bataille de boules de neige. Très bien. Tiens, toi, c'est ça. Voilà. Ah ouais, non mais c'est stylé ça, si c'est du... Oh, qu'est-ce qu'il me veut, Dr. Xu? Oh, ce n'est pas grand-chose, tiens, je t'en prie. De la pierre. De rien, c'est difficile de faire ça tous les jours. Voilà ce que j'ai découvert hier, je te les donne, je retourne travailler. Ah d'accord, ok. Ok, super, en fait j'aurais dit... Ah non, il m'a donné un saphir quand même. J'allais dire, j'aurais dit du bois, il m'aurait donné 3 bouts de bois, mais non, c'est bon. Toi, du miel. Toi, t'aimes bien le miel. Voilà, parfait. Phyllis, toi t'aimes bien les talismans, en plus j'en ai refait les talismans. J'en profite, c'est jour de fête. C'est vrai que j'avais zappé ce truc là, je l'avais lu hein, sur le wiki. Mais effectivement, c'est vachement intéressant. Jack, Dawa, Toby, là j'avoue que j'ai pas trop en tête. Arlo, j'ai déjà donné. Carole, attends. Attends, Carole. Hop, je pense que toi je peux te donner aussi. C'est du tissu là. Je pense que ça t'aime bien. Oh oui, plus 10, parfait. Parfait. Attends, vite fait, Alice. Bon, je perds un petit peu de temps sur l'événement, mais... Ah bah voilà, parfait, plus 20. Alice est mon amie. Très bien. Ok, bien joué, Albert. Oh, Nora, j'ai des trucs pour toi en plus. Et toi, ça va donner beaucoup de points parce que... Ah, c'est pas toi que je vais parler, mais c'est pas grave. Hop, on va aussi te parler pour les recettes. Voilà, avec de la vinaigrette, qu'est-ce que je fais? Une salade de légumes. Oh, nouvelle recette. Ah, et en plus, celle-là, j'en avais besoin, la salade de légumes, parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui aime bien ça. Et je m'étais dit, bon, bah, j'ai pas encore la recette. Alors, toi, ça, normalement, ça donne 15, donc ça devrait me donner 30. Oh oui, parfait. Alors là, plus 30 avec Nora, ça, c'est cool. Hein. Ça, c'est cool. Adit, toi aussi, je vais te donner un cadeau. Hop, cadeau, Adit. C'est les talismans. Voilà, parfait. Ah, tiens, McDonald's, ça tombe bien que t'es là, parce que c'est pour toi que j'ai pris les trucs de noix de coco, là. Hop, noix de coco. C'est ça, la risotto noix de coco. Très bien. Voilà. Plus 20. Je crois que c'est à peu près tout, Alice. J'ai déjà donné... Dawa, il aime bien les trucs en cristal. Et après, je vais refaire l'événement. Hop, parce que là, j'ai à peu près tout donné. Merlin, peut-être, il aimerait bien ça. Hop. Oh, parfait! Relation avec Dawa augmentée. Du coup, j'ai plus d'amitié avec tous ses frères. Ok, très bien. Bah ça c'est cool, Merlin, elle est là. Toi si je te donne un disque de données, je pense que ça te fait plaisir. Hop, ouah, plus 8, ouah. C'est pas la folie, mais c'est toujours ça de prix. Ok, bah du coup let's go, on refait l'événement, c'est parti. Bon au final ça me servira pas mal à... Oh il est tout là-bas lui. Ok,
McDonald's. Oh, il y a elle, Sonia, là. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vue. Ok, oh, toi, je vais te toucher les cheveux, toi. Voilà, parfait. Lucie, là-bas, au fond. Martha, Toddy. Alors, toi, je vais te toucher les cheveux. Ou autre, toi. Oh, j'arrive pas à le toucher. J'arrive pas à le toucher, c'est pas grave. Ouais, tout là-bas, au loin. Ok, je l'ai eu. Antoine. Hop, Sonia. Allez, allez, montrez-vous, là. Montrez-vous, montrez-vous. Bon, j'essaye pas de te tirer dans les cheveux, parce que... Oh, il va se montrer, là. Oh oui, parfait. Parfait, parfait. Toddy. Ok, c'est touché. Ah, attention à lui, là. C'est qui, là-bas, au fond? Je sais pas. Hop. Oh, je t'ai eu. Je t'ai eu, je t'ai eu. Ok, Sonia. Hop. Oh, mais toi, toi, je vais te toucher, toi. J'arrive pas à le toucher. Hop, ici, Lucie, là-bas. Très bien. Ok, Toddy. Mince, j'ai tiré trop tard. Toi, je vais te tirer dans les cheveux. Oh oui, parfait. Oh, je suis camarade avec Lucie. Ben voilà, parfait. Comme quoi, mine de rien, ça sert de faire des petits cadeaux. Hop. Allez, bon, je crois qu'il y a encore Antoine, là. Non. Oh, il y a Russo, tiens, c'est rare. Mars, Alice. Oh, Martha qui est arrivée devant. Il y a lui, là, c'est le frère d'Alice. Ok. Ah, tiens, je vais tirer dessus. Hop, bim, bim. Oh, c'est Sam devant. Stylé. Oh oui, je l'ai eu. Parfait. Oh, c'est Phyllis qui est ici. Ok, très bien. Très bien, très bien. Allez, montrez-vous, là. Montrez-vous, montrez-vous, Russo. Hop, alors Russo, on joue à la neige, là. Ok, oh, toi. Hop. Je veux dire, je me suis concentré, je l'ai visé, mais je l'ai eu. Hop, toi aussi. Oh, Phyllis, par contre, elle veut pas se montrer. Hein. Phyllis, elle veut pas se montrer. Bon, en vrai, je suis déjà pas mal ami avec Phyllis. Oh, vas-y, sérieusement, là. Hop. Eh hey. Toi, Mars, Sam. Voilà, Russo. Ok, je l'ai eu. Je l'ai eu. Toi, là, je suis pas beaucoup ami avec toi. Je te parle pas beaucoup, j'avoue. Hop. Voilà, Phyllis. Let's go. Je l'ai eu ou pas, Phyllis? Je sais pas, j'ai pas vu. J'ai pas vu, j'ai pas vu. Oh là, beaucoup trop rapide, là. Hein. Beaucoup trop rapide, Sam. Parfait. Ok. Ok, ok, très bien. Allez, on continue. On continue, on continue. Allez, allez, c'est le moment de se faire des petites amitiés, là. D'augmenter un peu gratuitement l'amitié. Donc, j'avoue que, au final, j'aime bien cet événement. Il est assez simple, il est assez marrant. En plus, ça fait un peu mini-jeu. Oh, il y a Emily, là, tout au loin. Ok. Emile, tout au loin, il y a encore des rochers où j'ai pas vu qui était là. Ok, c'est les frères encore, je sais pas quoi. Et Petra, ah, forcément, j'ai pas eu le temps de la taper. J'ai pas eu le temps de la viser, pas de la taper, pardon, je ne tape personne, moi. Hop, ok, toi dans ta tronche. Hop, Martha au bout. Ok, Emily qui se cache au fond. Ah, je l'ai pas eu. Ah non! Mince, toi. Je sais pas, ils font, non, non, mais bon, ils se montrent, hein, c'est le but du jeu, hein. Ok, Emily, je l'ai eu. Petra, malheureusement, elle s'est recachée aussitôt. Ok, Sonia. Mars. Mars que j'ai pas eu, d'ailleurs. Petra. Oh, mais Petra, vas-y. Y'a quelqu'un, là. Oh, y'a Higgins, là-bas. Higgins. Oh, dommage, ça marche pas. Ce serait trop drôle. Genre, ça apporte masse points. Mais bon, avec Higgins, en même temps, je peux pas être ami, donc ça sert à rien. Ok, Petra. Sonia. Bim. Ok, Mars. Russo. Oh non, mince. Allez, 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 allez. Ah non. Eh, c'est Russo qui se cache là, du coup. Je vais essayer de l'avoir. Là. Oh non, il a esquivé au dernier moment. Genre, je lui en lance une et il esquive, quoi. Ok, bah c'est la fin. Très bien. Et j'ai terminé premier. GG. GG, du thé, de la soupe de dragon. Ok, et des badges de bataille de boules de neige. Ce qui est parfait. Et je vais peut-être regarder pour échanger des trucs, là, en vrai. En vrai, il y a des trucs stylés, hein. Petit pantalon anti-froid niveau 12. Bon, j'avoue que par contre, le niveau, c'est pas ouf ouf. Mais, écoutez, why not, hein. Why not? Bon, en vrai, non, j'ai pas spécialement besoin de des trucs. Oh, le petit bonnet magnifique, là. Incroyable, incroyable. Non, on avait acheté ça la dernière fois, les petits bonhommes de neige. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, bah... Non, je vais rien acheter. Je vais rien acheter, on collectionne, mais on achète rien. Par contre, je suis venu avec mon cheval, moi, quand même. Hop. Reste là. Alors, du coup, attends, j'ai gagné quoi, là, dans l'histoire? J'ai gagné, foie gras à l'orange. Non, j'ai pas gagné ça. J'ai gagné du thé rouge, je crois, et puis de la soupe de dragon.
Et de la soupe pimentée. Ah oui, mais la soupe pimentée, j'en avais déjà beaucoup, parce qu'au final, il n'y en a que un qui aime ça, donc... Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, du coup, nous, on va, je pense, rapidement reprendre la route de... Ah bah attends, j'avais du courrier, j'avais même pas fait gaffe, d'ailleurs. Ah, pousse-toi, le cheval, là, non mais oh. J'avais même pas fait gaffe que j'avais eu du courrier de Gail. Alors, Gino, merci pour le travail que tu as fait avec Tony, c'est vraiment bien de voir canaliser son énergie sur quelque chose de plus productif. En fait, j'ai le plaisir de t'apprendre que nous avons remis... à Toddy, le certificat de la plus grande évolution à Portia, c'est une récompense qu'on a inventée juste pour lui, j'espère que ça le motivera à rester sur la bonne voie, et il y a aussi un petit quelque chose pour te remercier de tout ce que tu as fait. Oh, j'ai de l'argent, un trophée, fortune de l'océan et de la soupe de dragon, encore ? Et donc ? Très bien, j'ai eu un trophée en or, magnifique. Tiens, des pièces anciennes usées, prends-les. Ok, bon, voilà, merci. Qui c'est qui me donne des pièces tout le temps, hein, comme ça ? Je ne sais pas. Bref, on va aller continuer la route quand même, parce que mine de rien, c'est un peu la quête principale. Ah oui, mais en fait, je pensais qu'on avait un point de bus par là, mais même pas en fait. Donc je peux aller là, mais après, il va falloir que j'aille à pied. Totalement à pied. Bon, bah c'est pas grave. On va y aller totalement à pied. Au moins, j'ai les matériaux cette fois-ci. Donc, on va pouvoir tranquillement avancer. Allez, let's go. Merci, Toddy, de t'être pris plein de boules dans la neige. De boules de neige dans la tête, pardon. Hop, ça serait bien que j'arrive à formuler mes phrases dans le bon sens, parce que ça voulait rien dire, ce que j'ai dit, mais bon, c'est pas grave. Alors, normalement, tac, on avait... Voilà, j'allais dire, il y avait un petit... une petite montée... Oula, j'ai failli tomber. Après, notre petit pont qu'on avait fait la dernière fois, et donc, on s'était aperçu qu'il y avait une deuxième partie à faire pour la route, où il fallait justement... Et bien récupérer les petites ressources. Voilà. Et du coup, on va réparer, je pense, l'avion pour pouvoir monter dessus, en fait, tout simplement. Tout simplement. Hop. Ok. Ah bah voilà, c'est ici. Construire la route. Let's go. Alors. Ah ok. Du coup, on a fait un petit pont comme ceci. Très bien. Donc, on peut continuer par là. Et donc là, prochaine étape, où est-ce qu'il faut qu'on aille ? Bah nulle part en fait, on a terminé la route, du coup il y a un bout de pont ici, et du coup nous route vers le marais, ah faut que j'aille parler à Ursula, très bien, bon bah on a terminé, oui je me disais il y a peut-être encore un bout de route derrière ou je ne sais quoi, donc là je sais pas, il y a l'air d'avoir un bâtiment en face de nous là, ah oui c'est vrai, il y a là le cube, ok, il est marqué KO1, parce que c'est écrit à l'envers du coup. Ok, très bien. Bon, je pense qu'on va retourner voir Ursula, nous, hein, clairement, parce qu'en plus, là, il neige, il fait un petit peu froid, etc. D'ailleurs, tiens, Ursula, je n'ai pas vu la bataille de boules de neige, hein. J'en aurais bien envoyé 2-3 dans la tronche, tiens. Bref. Alors, du coup, où est-ce que je vais pouvoir passer? Je me souviens plus de... Où est-ce qu'on était passé la dernière fois? Bah là, tout simplement. Tout simplement par ici. Ok, et voilà, je vois mon petit pont. Je vois le pont qu'on a fait juste là. Hop, le cheval, il est fatigué, hein. Il est fatigué, il en a marre. En même temps, je le fais sprinter comme un malade à chaque fois. Très bien. Allez, tiens, je récupère les petits champignons, là. Ah, pourquoi j'ai pas eu... Ah oui, quand même, j'allais dire. C'est quoi cette arnaque ? Bref. Alors, du coup, Ursula, où est-ce qu'elle est, là, actuellement ? Ah, elle est tout en bas. Oh, elle est tout en bas, vraiment. Bon, je pense qu'on va... On va attendre demain. On va aller se coucher. Alors attends, par contre, je suis coincé là. Est-ce que je peux sauter? Oui, parfait. Parfait. Hop. Salut Dava. Allez. Et Ginger, qui se balade. Tranquillou, qui rentre là. Hein. Ah oui, elle rentre à la maison, c'est bon. Parfait. Alors attendez, du coup, le trophée, est-ce que c'est un objet qu'on peut poser, ça? Ah, fortitude max plus 10. Très bien. Bon, on a pas mal de choses... à mettre, comment dire, un trophée en or. Et on peut toujours pas mettre sur des objets. Ah non, on peut pas mettre un trophée sur la table. Ah, du coup, on va le mettre là. Attends, puisque je me retourne dans le bon sens. Voilà, comme ça, je me regarde dans le miroir et en même temps, je vois le trophée. Je me dis, oh, ok, je suis un boss en fait. Allez, un petit somme. Et on repart pour une nouvelle journée. Donc normalement, là, il n'y a plus d'événements, parce que c'était que les deux jours là, enfin c'était les deux jours qu'on commençait au final. Plutôt sympa, mais du coup c'est passé vachement vite avec l'événement, les journées. Bref. Par contre, il me semble qu'il y avait quand même un événement, si je me trompe pas.
Ah non, il y avait un anniversaire, c'est ça. Donc c'est le professeur. Bah ça tombe bien, le professeur, je sais exactement quoi lui donner. Donc on va essayer de ne pas l'oublier. Mais du coup, bon, je pense qu'on va le faire en priorité. Hop, comme ça au moins je suis sûr de rien zapper. Je récolte les petites crottes parce que hier, du coup, j'ai un peu laissé... Attends, quoi ? Il y a des crottes en forme de laine ? Il y a des crottes en forme de laine ? Ou c'est la laine qui est comme ça ? Attends. Je peux récolter ? Ah non, fourrure colorée. J'avais pas tilté que la laine était en forme de crotte comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Ok, tout le monde veut faire la fête avec moi, là ! Qu'est-ce qui se passe, ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Hop. Arrêtez. En plus, il y a Ginger. Elle va être jalouse après, hein. Elle va être jalouse. Bon, alors, je vais déposer tout. Ah oui, c'est vrai que mon coffre était vraiment plein, plein, plein. Voilà, tout ça. Hop. Ok. Ah oui, c'est vrai que la nourriture, je vais peut-être pas la mettre là-dedans, mais... ouais, non, ça non, en fait. Ça non, ça oui. Ok. Ok. Et c'est vrai que la nourriture, je vais plutôt la mettre... dans ce coffre-là, enfin pas dans celui-là, mais dans ces coffres-là, tac, 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 voilà, parfait, et ça, je dois avoir un coffre événement, voilà, j'en ai 85, et ben mine de rien, pas mal du tout, et du coup, la nourriture, vite fait, si je trie, ça, en vrai, je peux le garder, parce que je sais à qui le donner, en fait, il y a des trucs, je pense que ça plairait à des gens, mais il faut savoir à qui le donner, quoi, il faut savoir à qui le donner, soupe de légumes, boulettes de viande. Bon, j'ai quelques repas. Fortune de l'océan. Ça, je sais pas. Attaque plus 1, définitivement. Ah oui, ça, je l'avais mangé, ça, je m'en souviens. Ça, je vais les manger, ça. Parce que ça me donne plus d'attaque. Voilà, parfait. Parfait. Ok, très bien. Alors, du coup, on va essayer de... Ah, bah tiens, j'ai une quête. Qui c'est qui a une quête pour moi, là ? Qui c'est qui a une quête pour moi ? Ah bah c'est lui. C'est qui ? C'est Dawa ? Ah bah oui, c'est Dawa. C'est parce qu'on est amis maintenant, c'est ça ? Ah, génial, je te cherchais. J'ai entendu dire que tu viens tout juste de finir l'ascenseur vers le plateau ouest. Bien joué. Exact, tu as besoin de quelque chose ? Quoi ? On peut pas juste féliciter quelqu'un pour son travail. Il faut obligatoirement qu'il y ait des intentions cachées, hein. Je voulais simplement te parler de quelque chose à propos du plateau ouest. Je pense que ça pourrait être, en quelque sorte, bénéfique pour tous les deux. T'as déjà entendu parler de la roche volcanique ? Tu veux dire de la roche ignée ? Ouais, bref, l'intello. Quoi qu'il en soit, si tu m'apportes de la roche volcanique, je peux te préparer un plat spécial, une recette de sesai nommée le poisson grillé à la vulcane. On raconte que si on mélange quelques pierres volcaniques avec du charbon de bois, on peut voir l'humidité de l'intérieur du poisson s'écouler grâce à la chaleur. En plus, le poisson devient plus tendre, tout en conservant une texture caoutchouteuse délicieuse. Et y a rien de tel, je ne compte pas m'arrêter au poisson, non, loin de là. Je peux commencer à cuisiner tout un tas de plats grâce à la roche ignifiée. Alors, t'en dis quoi ? Tu veux bien me rendre service à un des frères Ulu et apporter de la roche volcanique ? Ça fera de la nouveauté. Vas-y. Génial, j'entends déjà le grésillement du poisson qui grille. Tu vas adorer ce plat. Bon, ça va, ça devrait être assez simple, dans le sens où j'en ai déjà. Donc ça va être plutôt facile à faire. Ok, bah voilà, parfait. Elle a l'air d'être là. Comment elle s'appelle ? Mistinguette Ursula. Là. Alors, est-ce que tu as une petite recette pour moi ? Avec du poisson bulle. Hop, la soupe de poisson bulle. Bon, bah évidemment. Évidemment, il est où mon cheval ? Bah alors, où est-ce que tu te caches ? Tu vas avec Django ? Il va avec Django, ça y est, il me trahit. Alors, Ursula, elle est au centre de recherche. Eh ben, ça tombe bien, on va y aller aussi. Allons-y également. Ah, j'allais dire, c'était quoi ? C'était le robot. D'accord, okay. Toutes les routes sont terminées. Bon, je vais envoyer quelqu'un pour les examiner. Le bureau du maire récompensera tes efforts. En attendant, nous avons un problème aux ruines de la ferme arboricole. Pendant tout ce temps, nous avons plongé dans ces ruines à la recherche de la première clé, enfonçant certaines portes et découvrant des raccourcis. Hélas, la zone centrale est protégée par une porte blindée impénétrable. J'aimerais que tu ailles voir et que tu trouves une solution. Ok, Ten garde l'entrée pour empêcher le chevalier d'entrer. Donc, il pourra te guider à l'intérieur. Je te conseille de t'équiper. C'est très dangereux, là-bas. Ok.
La première clé, du coup, il faut que j'entre dans les ruines. Il faut aller dans les ruines, et bah, parfait. Et du coup, j'ai vu qu'on avait une nouvelle quête aussi, compensation de Gale. Donc on va aller parler à Gale. Et du coup, faut que je récupère la roche Inifugé, là. Hop, ah bah, il est pas là, Gale, donc je vais aller chercher vite fait la roche tout de suite. Tant que je suis là. La roche, j'ai dû la mettre là-dedans, parce que, en vrai, je me suis dit que ce serait certainement des matériaux de craft. Oui, c'est ça. Ok, bon, par contre, il en voulait que 10, je crois. Donc, je vais pas tout prendre. Voilà, on va faire un petit tas de 10, et le reste, je vais le remettre dedans. On est bon! Allez, je vais aller le voir tout de suite. Il est... Ah bah, c'est bon, il est resté là où je l'ai eu tout à l'heure. Ah, il est avec sa chérie, maintenant! Ah ouais, c'est ça, c'est ce que je rêvais. Je vais rassembler tous mes frères et griller des poissons pour tout le monde. Parfait. Poisson chat grillé. Très bien, et de la viande rôtie. Et en plus, j'ai eu 20 points d'amitié avec lui. Franchement, ça rigole zéro. Alors, où est-ce qu'il est, Gale? Bah, il a l'air d'être là, non? Attends. Route vers le marais. Première clé. Ah oui, c'est ça. Non, mais il est là, oui, effectivement. Mais je sais pas pourquoi. Ah, il est à l'église. Bah oui, je suis bête, c'est dimanche. C'est dimanche, donc, il est à l'église. Ah bah attends, si c'est dimanche, il y a l'inspection. Je vais aller faire l'inspection. Hop. Allons faire la petite inspection. Bonjour. Je viens inspecter les défauts. Alors déjà, ce pied est trop long. Très bien. Ensuite. Où sont les défauts? Où sont les défauts, là? Ouais, vous les avez bien cachés, il me semble. Il me semble qu'ils sont très bien cachés. Là, ça a l'air d'être plus gros, par ici. Très bien, c'était juste ça. Un siège auto. Non, c'est vrai? Mais c'est vraiment un siège auto, au final. Alors, déjà, ce bouton-là, il est plus petit sur l'autre. Très bien. Hop, et la flèche, c'est pas la même non plus. Très bien, le siège auto, c'est réglé. Ensuite, ce paquet cadeau. M'a l'air suspect, ce petit paquet cadeau. Là, il y a une trace ici, et il y a une trace de saleté derrière. Déjà, ça, c'est réglé. Ensuite, là, ça dépasse. Voilà, une boîte à bougies. Non, à bijoux, pardon. Hop. Alors, cette lampe. Déjà, pas la même taille ici. Ça, hop, ça a pas l'air d'être bombé de la même façon. Mais j'arrive pas à voir où est-ce que c'est... C'est moi ou c'est pas bombé de la même façon? Je sais pas. Ah bah déjà là il y a une trace de saleté. Et j'avais même pas vu, mais le manche en fait il était pas du tout droit. Ok. Et bah voilà, parfait. L'inspection c'est réglé. Ça va Antoine? Très bien. Et bah c'est parfait. Allez, on va faire un petit tour à l'église du coup, vu qu'il y a tout le monde là-bas. C'est parfait, on va en profiter. On va faire d'une pierre deux coups. Et faut que j'aille voir absolument le médecin. Si le médecin il est à l'église, c'est lui le premier que je dois donner quelque chose. Hop, touc, 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 touc. Voilà. Alors, bonjour, je rentre dans l'église. Chut, pas faire trop de bruit. Ah, c'est déjà la fin? Ah non, c'est bon. Alors, ah, le médecin... Ah non, il est pas devant, c'est Higgins. Merci beaucoup d'avoir aidé à construire ces routes. J'avais prévu de les construire bientôt, donc ce n'est pas plus mal. Comment ça se passe avec l'équipe de l'expédition? Je trouve les membres un peu brutaux. Et la capitaine ne me parle pas des masses. Elle est très autoritaire. Oh, d'ailleurs, comme je n'avais jamais entendu parler d'elle auparavant, j'ai essayé d'obtenir des informations via Atara. Et tout ce que j'ai appris, c'est qu'elle fait partie des meilleurs soldats. Tu ferais mieux de t'entendre avec elle. Très bien. Oh, il m'a donné des vêtements. Cool, 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 cool. Alors, du coup, hop, tant que je suis là, toi, Phyllis, je peux te donner un petit talisman. Voilà. Lucie, je peux te donner un petit collier en cristal. Toi, je sais que t'aimes bien ça. Voilà. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui aiment ça, en fait, je suis en train de me dire. Carole, Dolly, Molly, Molly, Polly, Oli. non, je crois que j'ai rien pour eux. Ah, le pantalon, c'est niveau 45, je suis niveau 38. Mais j'ai du retard sur les niveaux. Hein. J'ai du retard sur les niveaux. Alice, je sais que t'aimes bien les colliers aussi. Hop. Ceux-là. Voilà, parfait. Plus 10. Et les autres, j'ai pas spécialement de cadeaux pour vous, malheureusement. Hop, je me rappelle plus, il y a quoi à acheter à l'église.
Ah oui, c'est pour les graines. Ok, ouais, c'est ça. Les graines et puis les caisses aussi. Mais attends, il est à combien le marché? Que je regarde vite fait. 109, ouais, non. En fait, il faudrait qu'un jour, je rachète peut-être des grosses caisses. Mais là, non. Là, pas aujourd'hui, parce que le marché est à 109. J'aurais dû en acheter l'autre jour quand le marché était à 80 et quelques. Parce que mine de rien, c'est assez cher, hein, ces trucs, hein. Alors, bon, il faut qu'on aille voir le médecin, parce que c'est son anniversaire. Donc on va essayer d'en profiter. Oh là, je suis arrivé en plein dans le cimetière, là. C'était pas vraiment le médecin. Et d'ailleurs, je me suis planté, parce que le médecin, c'est par en haut. J'aurais pas dû redescendre. Voilà. Alors, salut. Hop. On monte par là. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a du monde dans la clinique? Est-ce que... Tu me laisses passer le cheval, là. La clinique du docteur Xu. Ah, il est là. Parfait. Lui, il va pas à l'église. En même temps, c'est un scientifique, hein. Généralement, pas trop, trop compatible. Ragoût de viande et de champignons. Ah, j'en ai peut-être ça, en vrai. Alors, attends. Déjà, je te donne un cadeau. Voilà, je te donne ça. Parfait. Plus 24. Merci d'avoir pensé à mon anniversaire. Ça me plaît énormément. Bah voilà, parfait. J'ai pensé à son anniversaire. Donc, je crois que quand il y a un événement, c'est x2. Et quand il y a un anniversaire, c'est x3, il me semble. Si je me souviens bien de ce que j'avais lu à l'époque sur le wiki. Je crois que c'était ça, les coefficients, justement, par rapport au cadeau. Bah du coup, toi, non, j'ai rien à te dire, Ursula, c'est juste que, par la suite, il va falloir qu'on aille dans les ruines, du coup, c'est ça, la prochaine mission, hein. Si j'ai bien compris, ouais, Ursula veut que tu aies accès aux ruines du terrain et l'exploitation forestière pour ouvrir la porte blindée. Bon, on va pas faire ça aujourd'hui, hein, parce que je pense qu'on n'aura pas le temps, mais, ok, très bien, très bien, très bien, très bien. Hop, oh, il y a Bandit, il y a mon petit chien. Il y a mon petit chien. Hop, tiens, d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. Ça me fait penser à quelque chose, le petit chien. Alors déjà, attends, je vais remettre les vêtements. Et je crois que j'avais eu déjà des vêtements que... Ouais, c'est ça, pantalon militaire, je peux toujours pas le mettre non plus. Short de voyage, je peux toujours pas le mettre non plus. Chapeau de voyage, là. Je pense qu'il va vraiment falloir que je prenne les niveaux, hein, parce que mine de rien... Mine de rien, dans toute cette histoire-là, j'ai du retard. Ok, ah mince, il y avait Nora, j'aurais pu lui donner ça. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Nourriture, hop, et ça. Poisson chat grillé. Je vais le garder, ça, parce que, justement, je parlais du chien et je me disais, ça me fait penser à quelque chose. C'est que j'ai vu que le chien, en fait, c'est un chien errant. Et donc, quand on est ami avec lui, il vient chez nous, donc c'est ce qui s'est passé. Et le chat... Alors, faudrait que j'arrive à le trouver. Où est-ce qu'il est? Mais le chat, en fait, c'est pareil. C'est un chat errant. Le petit chat rose, là. Alors, je sais pas du tout où il va être. Je pense qu'il se balade dans la ville, à mon avis. Mais, en fait, c'est pareil. Si on arrive à faire de lui notre ami, il vient chez nous aussi. Bon, j'avoue que le chat est un peu fluo rose, mais... Donc, c'est pas forcément très naturel. Le chien, au moins, il a une couleur un peu plus classique. Mais, du coup, le chat, potentiellement... On peut l'avoir chez nous aussi. Donc pourquoi pas. Bon, je sais pas où il est, mais il a pas l'air d'être trop dans le coin, là. Il a pas l'air d'être trop par là. Non, bah écoutez, tant pis, hein, je pense. Je pense qu'on va le laisser. Mais justement, je me disais peut-être que le poisson, là, ça peut lui... Enfin, on peut lui donner, parce que je pense qu'il aimerait bien. Mais bah encore faut-il savoir où il est, ce petit chat, là. Il est pas là, caché derrière. Non, il y a lui, là. Ok. Non, bah écoutez, je ne sais pas où il est, mais c'est pas grave. Ah, il y a Ginger, tiens. Qu'est-ce qu'elle a été faire? Qu'est-ce que t'as été faire, Ginger, là, sous la neige? Bon, en même temps, elle aime bien la neige, elle. Elle aime bien, elle aime bien. Hop. Bon, bah, écoutez, le chat, je ne sais pas où il est. Je regardais sur la map s'il n'y a pas des points. Ah, ouais, mais je peux pas voir les points. Ouais, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Il y a quelques points. Bon, le chat, il est pas à l'église, ça c'est sûr. Il y en a plein qui sont à l'église, mais le chat, il est pas à l'église. Donc en vrai, là, il y a des coins, là. Il y a des coins où je connais pas trop. C'est où, cet endroit-là? Ah, c'est derrière, là. Ah, j'y vais jamais par là. Ah, bah, il y a le chien, justement. Il y a Bandit. Mais c'est pas là qu'on avait trouvé le chat, une fois, même. Il y avait pas eu un événement avec le chat dans ce coin. Bon, bref, a priori, il a pas l'air d'être là. Il a pas l'air d'être là, le petit chat. Eh bah tant pis. Eh bah tant pis, tant pis. Vite fait, là, je vais aller, vu que j'ai repensé que Nora, là, je vais peut-être lui donner un cadeau, et vu que tout le monde est en train de descendre. Tac, 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 tac. Et d'ailleurs, tiens, toi, attends, là, mais Carole, toi, je peux te donner du tissu.
J'avais vu que ça marchait bien le tissu avec toi. En même temps, ce qui est logique. Ah bah j'ai plus de tissu. Mince. Tu veux un collier ? Thank you. Hop. Bon, plus un. C'est pas terrible. C'est pas terrible, c'est pas terrible. Et du coup, Nora, elle doit être restée à l'église, à mon avis. Elle doit être restée à l'église parce que j'ai fait des petits trucs juste pour elle. Parce qu'il y a que elle qui aime bien ça. Enfin, il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, elle, elle aime beaucoup. Donc c'est pour ça que je me suis dit, je lui avais fait des petits trucs. Nora, voilà, parfait. Elle est là. Hi. Hop, salut. Hop, alors, un petit cadeau. Voilà, les boîtes à musique. Plus 15, yes. Parfait. Parfait, parfait. Et du coup, il n'y a plus personne ici. Bon, Lee, je crois que lui, ses cadeaux sont un peu galères à Lee. Mais bon, c'est pas grave. Bref, bah écoutez, hop. À part si on voit le petit chat, on pourra lui donner le poisson là tout de suite en sortant. Mais sinon, je pense qu'on va pouvoir se laisser tranquillou ici. On aura fait pas mal de choses, mine de rien, aujourd'hui. Hop, je vais faire un dernier petit tour pour le chat. Est-ce qu'il est dans le coin ? Est-ce qu'il se balade par ici ? Je ne le vois pas. Je ne le vois pas, donc tant pis, le chat n'aura pas de poisson. Ah bah voilà, quand on le cherche. Quand on le cherche, quand on le cherche. Hop. Alors, discuter, cadeau. Tiens, est-ce que t'aimes bien le poisson chat grillé ? Ah, au moins deux. Pourquoi ? C'est du poisson. La dernière fois, j'avais donné du poisson, il avait bien aimé. Bon, bah, du coup, boulette. Boulette, boulette. Mais bon, c'est pas grave. Hop, je chercherai un peu ce qu'il aime bien. Comme ça, on pourra avoir aussi un chat à la maison. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. On a quand même refait deux fois l'événement des boules de neige. Et puis, on a avancé dans nos quêtes sur la route, justement, pour le marais. Et aussi sur une petite mission qu'on avait pris à Carole pour de l'étoffe. En tout cas, j'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air. Et on se dit eh bien, à très bientôt pour la suite. Bye tout le monde!